Rester. Je commençais à me dire que vous et votre pilote, vous alliez jamais venir. Je travaille pour Live, l'entreprise de caméras qui sponsorise la course. Je gère l'événement. Venez avec moi. Je tenais vraiment à vous remercier. La chance que vous nous donnez, c'est formidable ce que vous faites. De rien. On est toujours à la recherche de partenaires de talent, un peu comme vous et votre camarade là. Je pense pas avoir à vous le dire, mais si vous faites du bon travail, beaucoup, beaucoup de portes s'ouvriront. C'est compris, on vous décevra pas. Salut à vous les amis, nous sommes de retour pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci avec la bêta fermée de The Crew 2. Sont des tremplins vers toutes les familles de sport mécanique du pays. Sachant que le jeu sort à la fin du mois de juin. Ouais, c'est vraiment important pour nous. On a déjà essayé de diffuser nos propres courses, mais j'imagine que des courses entre inconnus, ça intéresse personne. Croyez-moi, si vous montrez ce que vous savez faire aujourd'hui, vous deviendrez célèbre comme ça. Faites une belle course et vous verrez vos options comme votre public se multiplier. Ouais, on fera de notre mieux. Hiro, mon ami, je veux pas de votre mieux. Je veux du légendaire, je veux de la tuerie. Bon allez, je dois y aller, j'ai une course à organiser. Bon courage. Ok, merci. Tu peux y aller, mon vieux. Casse la baraque. En fait, casse tout sur ton chemin. Pilote comme tu l'as toujours fait et on passera professionnel en moins de deux. Donc vu que je ne sais toujours pas conduire, enfin si, j'ai mon permis bien entendu, mais mes conduites dans les jeux vidéo sont assez fréquemment catastrophiques, enfin pas non pas non plus catastrophiques, mais voilà, ça fait peur à voir quoi. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Préparez-vous à voir New York envahie par une horde de pilotes déchaînés pour une course défiant les lois de l'imagination. Ce n'est pas une simple ville, c'est un véritable terrain de jeu pour les meilleurs sportifs d'aujourd'hui et de demain. Nous invitons aujourd'hui à assister au premier épisode du Live Extreme Series de l'année. Au cours de cette nouvelle saison, des challengers de talent vont se mesurer aux stars du circuit et essayer d'impressionner les différentes équipes de course. Et croyez-moi, elles sont aux aguets. Mais surtout, ils vont devoir vous impressionner, vous, le public. S'ils veulent gagner des fans, en tout cas. C'est comme ça que ça marche. Faire de belles courses, arriver premier et gagner plein de followers. Parlant de prendre de la hauteur, regardez-moi ce saut. Vous avez vu comme les chiffres atteignent les sommets? Et maintenant, c'est parti pour l'extrême! C'est quoi ce délire? Vous gagnez des followers en gagnant des courses, bien entendu, mais ce n'est pas tout. Réalisez des figures spectaculaires comme celle-ci, et les fans se bousculeront au portillon. J'avais passé énormément de temps sur The Crew, premier du nom,
Je reviendrai peut-être dessus d'ailleurs pour faire 2-3 vidéos avant la sortie de Crew 2. Et puis bah, d'ici là, du coup, je ferai bien sûr 2 nouvelles vidéos. Sachant qu'en ce moment, avec les orages, je fais pas mal de sorties pour faire des vidéos et prendre pas mal de photos. Donc voilà, je ne peux pas jouer en permanence. On en est à 2/3 du circuit et j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau prodige. Enfin, je suis un petit peu à la traîne quand même, hein. C'est quoi ce bazar? Préparez-vous pour le grand final, ça va être chaud. Oh punaise. Attention au crash. Y a pas de secret. Aujourd'hui, il suffit plus d'être un bon pilote. Faut aussi être pro en dehors du circuit et savoir gérer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est tout simple en fait. Plus vous avez de followers, plus vous pouvez en gagner de nouveaux. Signez avec une équipe et les autres s'intéresseront à vous. Fidélisez des supporters et les contrats commenceront à pleuvoir. En d'autres termes, un pilote qui réussit à attirer suffisamment de followers aura accès à de nouveaux styles de pilotage appelés discipline. Merde. Sensation forte garantie. Et n'est-ce pas ce qu'on recherche tous? Si, bien sûr. C'est ce qu'on recherche tous. Oh là là, je sens les followers arriver d'ici, pas vous? C'était le premier épisode de notre série Live Extreme, en direct du cœur de New York City. Merci de nous avoir accompagnés, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, on a eu un petit message comme quoi le jeu allait passer en mode maintenance dans 20 minutes. Donc, du coup, sera inaccessible vu que c'est là, c'est du multijoueur en ligne, hein, bien entendu. Donc, là, on va voir ce qu'il va nous proposer. Alors, anonyme, ok, d'accord, alors, devine débutant. Quoi, camarade. C'est officiel, on a cartonné. Va falloir qu'on fasse nos preuves, mais je m'inquiète pas. On a le talent qu'il faut. Et il y a tellement de trucs à essayer, bateaux, avions, toutes sortes de caisses. Ici, c'est le plus grand buffet du monde. Et on va pouvoir goûter à tout. Moi, j'ai hâte d'aller en avion près du Grand Canyon, les motos dans le sable, etc. Bah, bref. On devrait aller voir ce qu'ils nous proposent, vu qu'on a le choix. Dis-moi chez qui tu veux qu'on aille en premier, et c'est parti. Camarade, sois le bienvenu à Motor Nation. Ah, oh, yes. Bon. Ben, apparemment, on a 4 options. Par quoi tu veux qu'on commence? C'est toi qui décides. Eh ben écoute, hein, on va commencer par les avions, tiens, initiation freestyle. Ou alors on a également possibilité de initiation en off-road. Allez, on va faire du off-road. Bien te prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Nous voici de retour par la suite de nos aventures, cette fois-ci avec le coup de off-road. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, toujours sur deux coups de la bêta fermée. Tu vas pas perdre, pas vrai? Non. Three, two, one.
Alors, on y va. Tranquillou. Pas mal. Faut qu'on parle de ton avenir, toi et moi. Allez, viens, je vais te montrer Basecamp. Et ta nouvelle voiture. Ah bah la nouvelle voiture, ça vaut le coup. Regardez qui est là. T'as fait tes preuves. Maintenant, t'es chez toi ici. Alors, bienvenue dans ce petit coin de paradis du hors-piste. On y trouve toutes sortes de pilotes. Ceux qui tracent, ceux qui grimpent et ceux qui gagnent. Je parie que toi, tu veux faire partie du troisième groupe. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Tuck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Mais s'il s'entraîne pas, ça nous arrange. Toi, comme moi. Au fait, quand t'auras un moment, passe à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles, par contre, t'oublies pour l'instant. Faudra que tu les gagnes. Je peux pas l'acheter celle-là, bien sûr que non. Dommage. Eh, hey, dis donc, ça te dirait de gagner de l'argent juste en conduisant? Il y a un magazine qui nous a demandé de prendre des photos pour eux. Regarde l'album photo pour savoir lesquelles. Rien ne t'y oblige, mais c'est de l'argent facile. J'imagine bien, donc il y a pas mal de photos à prendre. Donc là, nous sommes ici et on peut soit aller en freestyle ici ou directement on peut aller en initiation street racing là. Là, c'est quoi? Juste pilote des hautes plaines. Et maison, nouveaux accessoires disponibles pour la maison. Alors, je sais pas trop en quoi ça correspond. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo sur le truc là. Mais attendez voir. C'est quoi ça? Ensuite, home, customiser vos véhicules, admirer vos collections et laisser parler votre créativité. D'accord, bon, c'est pas le truc que, forcément que j'ai envie de faire actuellement. Donc, on va refaire un petit peu d'avion. Allez, petite initiation au freestyle, c'est parti. Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi, c'est Sophia, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion, tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué, et n'oublie surtout pas ton sac à vomi. Si tu l'utilises, Que je t'as n'oublie pas mon perdu. sac à vomi, Mais je si vais tu aller bats ton chercher. score, tu gagnes. Plus tard, je te montrerai ce que je sais faire, mais pour l'instant, c'est ton tour. J'aurais bien aimé qu'on puisse utiliser les motos dès le début du jeu, en fait. Enfin, au moins de la bêta, quoi.
Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris ? On passe au air drift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas, et ça devrait le faire. Essaie un looping. Tire sur le manche pour faire un tour à 360 degrés. Et maintenant, basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote Emmett au barn. Je suis sûr qu'on trouvera des trucs à faire. C'est chouette, merci. C'est Emmett. Et toi, tu dois être le nouveau talent dont Sophia m'a parlé, non? On va voir si elle sait aussi bien évaluer ses recrues qu'elle sait piloter. Et conduire. Et aussi... tout ça, quoi. Ne cherchez pas le chauffeur de ce véhicule ici, vous ne me trouverez pas. Car c'est un dispositif novateur qui est expérimenté à l'heure d'an. Une navette autonome 100% électrique. Et capable de se déplacer dans les rues de la ville sans qu'elle ne soit conduite par la main de l'homme. C'est qu'on n'a rien à faire ici. Première en France sur la voie publique, avec cette solution innovante, mais surtout respectueuse de l'environnement. Je pense que c'est important pour Verdun, parce que les touristes, parce que les startups, parce que beaucoup de collectivités territoriales, d'entreprises vont venir ici et diront « Nous sommes allés à Verdun » et finalement, dans ce processus de recherche et d'innovation, Verdun aura aussi écrit l'histoire, mais pour que la navette puisse manœuvrer en toute sécurité sans altérer la circulation, un dispositif un peu particulier a été mis en place. Des feux provisoires sont ainsi apparus dans le paysage verdunois pour prévenir de l'arrivée du véhicule, puisque celui-ci ne peut prendre les ronds-points sans assistance. La navette, elle, est équipée d'une technologie qui lui permet de réaliser un parcours déjà préenregistré à toute. Tu sais quoi? Il y a un moyen facile de gagner des followers. T'as juste à faire des trucs cool comme voler en dessous des ponts, drifter ou faire des sauts énormes. Plus t'enchaînes de figures, plus ça te rapporte de followers. Hey,
J'ai modifié 2-3 trucs pour que tu puisses passer plus rapidement d'un type de véhicule à un autre. C'est qui le meilleur, hein? C'est qui, hein? Bah c'est moi, non? Alors bah du coup on finira la vidéo là-dessus avec une petite découverte tranquillement en avion des environs et voir ce qu'on peut faire également dans le coin quoi, et pas me passer sous un pont comme ils ont dit, mais là le pont il est un peu bas pour passer en dessous, donc je vais peut-être éviter celui-là. J'aurais pu je pense, mais on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Énormément de kilomètres à parcourir à travers toutes ces rues, etc. Redécouvrir des villes comme on l'a fait à l'époque sur The Crew 1. Donc, Oublie pas que tu peux ouvrir la carte pour consulter les diverses activités disponibles. Enfin. Par exemple, je peux également choisir de me rendre. Tu peux aussi jouer zen, hein. On va ouvrir la carte. Et on voit à peu près tout le kilomètre qu'on a parcouru. On va essayer d'aller faire un petit tour au niveau de Las Vegas. On y va. On voit qu'à gauche il y a un autre joueur, il s'agit de LibertyX8. On peut aller en hauteur, en altitude. Ah, donc il nous reste apparemment 2 minutes avant que le jeu ne passe en mode. J'espère que ça va suffire pour atteindre Las Vegas. On va le voir tout de suite. Et ben d'ici là, je pense qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures sur The Crew 2. Bon, déjà, bien sûr, la bêta fermée, mais également pourquoi pas s'en trouver après. De toute façon, je prendrai une chose, c'est sûr. Bon, après, tout de suite, je ne sais pas. Je vais essayer tout du moins et on se retrouvera plus tard. Voilà. On peut voir qu'on aperçoit bien Las Vegas là-bas. On a pas mal également de quêtes de photos à faire, etc. comme dans l'autre. Pas mal de photos à prendre. Ça me donnerait presque envie de recommencer le 1 totalement, vous voyez. Même si le 1, forcément, on avait les voitures et on avait après, ils avaient également débloqué les motos. Je pense que c'est pas impossible que je m'en fasse prochainement un trip en moto à travers le premier de genre de New York à Los Angeles ou San Francisco, quoi. Tout en essayant de passer par certains points, on va dire, classiques du jeu. Il faut savoir, c'est, je crois que s'il me faisait à peu près peut-être 30 à 45 minutes pour faire toute la map, bien sûr, en faisant les États-Unis ça durait beaucoup plus longtemps. Donc on passe bientôt en mode maintenance, donc
si je vous retrouve pas d'ici là, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On va essayer de s'approcher de la pyramide avant de se laisser. Là, on aperçoit bien sûr de la tour Eiffel là-bas. Bien sûr, nous sommes à la bêta fermée, hein, donc il y a certainement des trucs qui vont être améliorés, etc. La statue de la liberté à droite, un très beau château encore à droite. Et la pyramide. Allez les amis, cette fois-ci, ciao ciao. Gagner de nouveaux followers avec l'action que tu viens de faire. Toutes celles que tu réaliseras à partir de maintenant t'en rapporteront encore plus. Alors donne-toi à fond. On a Ricardo de la Girouette qui est juste là-bas. Allez, au revoir, ciao ciao.